retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui on se retrouve pour Miami. Donc je suis arrivée il y a à peu près une heure mais je me suis un peu posée parce que j'étais claquée parce que je suis partie à 3h du matin et 3h du matin, donc je suis arrivée à 13h ici, sachant que j'ai un peu poireauté parce qu'ils avaient un petit peu du mal en fait à me renseigner sur savoir comment est-ce que je dois prendre le, comment ça s'appelle, le super shuttle. Et du coup j'ai poireauté une heure pour rien et donc voilà, donc là je suis dans mon hôtel et super sympa. Je suis donc dans le Shelley Hotel. Et je suis trop contente, j'ai deux grands lits pour moi toute seule, enfin juste trop bien, c'est sur la Ocean Drive, donc super bien, voilà, super bien placé, enfin voilà. Je suis pas encore sortie dans la ville parce que, disons que, il fait pas beau du tout, mais alors pas du tout, je suis dégoûtée. De toute façon je m'y attendais, hein. De toute façon c'est la saison des pluies, mais je me suis dit bon peut-être avec un peu de chance je vais avoir un peu de soleil, on verra demain, hein. Mais là c'est... la grosse pluie, vous savez, tropicale, comme il n'y a pas, ou... bon, pour se promener, c'est pas le top, hein, c'est pas l'idéal. Mais du coup, là, il est 6h. Et j'avoue que là, je commence à être un peu dans le lit. Et vous savez que je pense qu'on est un peu tous pareils. C'est que quand on commence à s'installer bien comme il faut dans le lit, on a du mal à bouger. Mais là, je me suis dit, il est hors de question que je reste couchée alors que je suis à Miami. Donc j'aimerais bien au moins visiter Ocean Drive, vu que je suis dessus. Et quitte à revisiter plutôt demain parce que là voilà je suis fatiguée, le temps n'est pas là et tout, mais en tout cas ça va me faire du bien d'être dans un hôtel parce que là je sais plus si je vous ai raconté, vu la cata de l'auberge de New York, c'était tellement mais horrible que là me retrouver toute seule le temps de deux jours, ça va être juste trop bien, ça va me faire un bien fou. Et en plus l'hôtel est super sympa, donc voilà, je suis vraiment très contente. Je vais vous faire un petit room tour voilà, de la chambre. Donc là vous avez les deux lits, donc voilà, déco super sympa, très simple, enfin moi j'aime beaucoup. Donc ici vous avez en fait là où on peut ranger les affaires. Est-ce qu'il y a une lumière? Je ne sais même pas, normalement oui. Un truc pour en passer, non je sais pas. Ah si, il y a une lumière là, il devrait y avoir une lumière, ah voilà. Donc voilà, il y a tout ce qui est draps, serviettes, etc, un petit coffre. Enfin voilà, une pièce... Attends, j'aimerais bien avoir un dressing comme ça, n'empêche. C'est cool ça quand même. Putain, je vais en profiter pour repasser du coup. Donc voilà, super sympa. Avec le miroir comme ça. Hop, c'est cool ça. Et du coup ici, bah, vous avez la télé. Voilà, avec tout ce qu'il faut. À bouffer d'ailleurs, j'ai déjà piqué des Pringles. Donc voilà, le lit, ici vous avez un petit bar, vous avez les boissons et tout. Donc c'est pareil, j'ai pris mon Coca-Cola. Donc petite table de nuit et la salle de bain. Elle est toute simple, je m'attendais avec une baignoire, je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai trop envie en plus de prendre un petit bain, mais bon c'est pas grave. Et donc voilà, avec les serviettes, bon, les toilettes, hein, classique. Et puis la douche. Voilà, et comme ça. Donc voilà, super sympa. Honnêtement, je suis super contente. Ouais, vraiment, j'ai rien à dire sur l'hôtel. Vraiment sympa, donc voilà. Si vous recherchez un hôtel à Miami, je pense que celui-ci est vraiment l'idéal. Ils sont super sympas. Donc là, je vais me motiver, parce qu'il est 6h déjà. Donc là, j'ai un peu glandouillé depuis, ça fait 2h que je me repose. Mais en même temps j'en fais tellement aussi, j'avoue que je bouge un petit peu beaucoup, je marche quand même presque 15 heures par jour. Et c'est vrai que je prends pas le temps de me poser alors que je suis en vacances, mais moi je suis comme ça, quand je suis en vacances j'ai envie de tout visiter, j'ai trop peur de rater des trucs en fait à faire et tout. Donc voilà, mais je pense que là ça va être simple, surtout que si j'ai un temps comme ça forcément je vais pas forcément faire ce que j'avais envie, ce que j'avais prévu de faire quoi. À la base je voulais faire le bateau des stars vous savez, mais bon sous la pluie comme ça, je sais pas trop. Donc on verra comment le temps sera, parce que finalement ça va passer très vite, parce qu'au final elle est déjà 6h donc je vais pas faire grand chose. Voilà, je vais sûrement me promener sur la Ocean Drive et après demain je sais plus ce que j'ai prévu, bah là-bas j'avais prévu le bateau des stars, mais voilà je pense que je ferai en fonction d'eux. J'ai juste demain en fait et après je pars à 14h je crois. Je crois que j'ai mis 14h, donc ça va passer très très vite, c'est vraiment deux jours, enfin au final c'est un jour et demi.
Donc voilà, mais en tout cas trop sympa, je suis arrivée déjà, nouvelle ambiance, j'aime trop, voilà, palmiers, il manquait vraiment que le soleil, mais sinon là il fait 30 degrés donc il fait super chaud, voilà les palmiers, nouvelle ambiance avec les buildings sur la plage, enfin, trop sympa, franchement le cadre trop sympa, mais j'aimerais bien qu'il fasse un peu de soleil pour que je puisse prendre des belles photos quoi. Là il faut que je fasse mon shampoing, mais bon je me dis avec le temps là. Parce que ce sera grand chose, autant le faire ce soir avant d'aller me coucher plutôt, parce que là, vu le temps, ça sert à rien. Je vais plutôt m'attacher les cheveux. Et donc voilà, donc je vais aller me préparer et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je suis sortie, j'ai pris mon courage à deux mains et donc là je vais vers la plage Miami Beach. Donc là déjà c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt sympa déjà pour se balader. Il y a plein de monde qui se balade et j'ai l'impression que le temps est un peu avec moi, n'empêche pour mes vacances, que normalement il pourrait toujours un temps de merde. Là tout à l'heure il pleuvait, mais je vous l'ai dit, c'était une horreur. Et là je sors et il y a le ciel là-bas en fait qui commence à se dégager. Donc voilà, qui sait, peut-être que je vais avoir un petit soleil. Un beau petit coucher de soleil sympathique. Donc là, je vais vers la plage. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, ce qui me fait marrer, c'est ça. Ça fait vraiment alerte à Malibu quand même. Hein. Voilà, je suis à la plage, mais avec le parapluie. Non, c'est le gros déluge là. C'est tellement dommage parce que, franchement, avec un beau soleil, à mon avis, c'est super joli. Et en plus, je pense que demain, je vais essayer de prendre une photo avec. Rose là derrière, là. Je sais pas si vous allez voir, mais histoire d'avoir un petit souvenir quand même. Mais j'avoue, si j'ai le temps là, c'est pas l'idéal parce que là, vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est le déluge de total. Je sais même pas si mon parapluie va tenir et aussi va se retourner. Donc voilà, je pense que je vais aller m'arrêter manger quelque chose parce qu'il est 7h, je crois. Et puis je pense que je vais aller me promener sur la Ocean Drive, voir ce qu'il y a. Je crois qu'il y a des magasins ici. Donc voilà. Bon, du coup je suis rentrée à l'hôtel parce que je sais pas pourquoi, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être malade. Je crois que à force avec les changements de température, parce que là il fait 30, il fait super chaud, il fait vraiment lourd. Et là il pleut en plus. Donc ouais, j'ai l'impression que je commence, puis avec la fatigue et tout, je pense que là ça y est, je commence à être vraiment à la fin du voyage. Mais il est temps, c'est vrai qu'il est temps que je me repose un petit peu. Et puis voilà, mais honnêtement sans plus. Enfin je crois que là c'est pas une ville coup de cœur, autant que les autres j'ai adoré. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va pas être une ville coup de cœur. Après je verrai demain, parce que là ça a été... C'est vrai que là j'ai été fatiguée parce que j'ai pas du tout dormi de la nuit. Plus la pluie, etc. C'est vrai que j'ai vraiment, on va dire, visité vite fait. Mais jusque-là, voilà, sans plus. Je pense que ça va pas du tout être ma ville coup de cœur. Mais c'est quelque chose à voir quand même une fois dans sa vie. Hein, comme tous les endroits, de toute façon, c'est toujours intéressant à découvrir. Donc je verrai demain. Je pense que, voilà, je pense que demain, je vais pas mal visiter, mine de rien. Puisque au final, c'est ma vraie seule journée que j'ai pour visiter, puisque après je pars en début d'après-midi, donc voilà, ça va être assez rapide. Mais ouais, l'ambiance de Miami, c'est pas trop mon truc finalement. Limite on voyait à moitié des filles, voilà, sur le trottoir, enfin voilà, c'était un peu... On sent bien que c'est une ambiance assez chaude, hein, Miami. Donc voilà, c'est pas forcément l'ambiance que je préfère, mais voilà, c'est sympa à découvrir, c'est autre chose, c'est un nouvel endroit, Mais ouais, je crois qu'après ce road trip, je pense que je vais revenir à vraiment, voilà, une expérience. J'aurais vraiment vécu une expérience de dingue, où j'aurais vraiment découvert des tonnes d'endroits, des tonnes de choses. J'ai vraiment vécu ce voyage à fond, à 100%. Donc ouais, là je crois que je vais vraiment revenir, voilà, plein de choses et je suis mais
trop contente quoi. Franchement, voilà, ça s'est passé à la perfection en fait. Exactement comme je voulais que ça se passe et c'est ce que j'ai fait. Donc ouais, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, de cette expérience-là. Et quand, si vous avez l'occasion de le faire un jour dans votre vie, faites-le parce que c'est juste une aventure de dingue. Et ouais, franchement, trop contente. Donc voilà, du coup, je me suis posée. Mais je suis dégoûtée parce qu'il y avait... du coup, j'ai mis la télé. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télé. Et il y avait Arrow. Et j'adore cette série. Comme par hasard, ils ont changé. Et j'ai l'impression que ça, c'est Supernatural. Sauf que je déteste... Enfin, c'est pas que je déteste, c'est que ça me fait flipper, en fait. Donc, je pense que je vais changer. Mais ça m'énerve parce que c'était la seule chaîne qui m'intéressait. Parce que c'est la CW. Donc, avec les séries, vu que ça faisait un petit moment que j'ai pas vu mes séries. Et bien, non, ils ont changé. Donc, je sais pas ce que c'est. Mais bon, bref. Donc voilà, donc là je me nourris aux Pringles. Gros n'importe quoi. Donc voilà, je pense que j'ai trop rien à raconter. Je rentre déjà jeudi, donc dans une semaine. Donc là il me reste 2 jours Miami, 2 jours Miami, 4 jours Chicago. Ouais, une semaine. Ça va faire bizarre de rentrer à Saint-Malo, hein, moi je vous le dis. Surtout qu'en plus, apparemment, il fait pas beau du tout. Voilà, petite température. L'été n'arrive pas, alors que là, j'ai que des 30 degrés, soleil, etc. Donc, bah, ça va être un petit peu la déprime, je pense, en arrivant. Surtout qu'il n'y aura plus rien à faire. Donc, mais bon, il faut bien retourner à la réalité un petit peu, hein. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais dormir tranquillement. Pourtant, il est bonne heure, hein, il est 9h. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des millions de bisous et puis bah, je vous dis à demain. Bye. Du coup, je vais aller voir les maisons de